suis Arthur Yumu. Arthur Yumu, écrivain et auteur du livre « Ton corps de rêve dans la vraie vie », livre dans lequel je partage des astuces pour garder la forme physique et avoir la forme tous les jours, parce que notre corps est notre première industrie. Si notre corps va mal, on ne produit pas de l'argent. Eh bien, lors de cette conférence, je peux dire que je suis rentré en retenant que on investit en Afrique en investissant dans l'humain. Parce que l'un des problèmes de l'Afrique, c'est la compétence. Investir donc dans l'humain, c'est donner les outils à ceux qui sont en Afrique de pouvoir gagner eux-mêmes de l'argent. C'est leur apprendre eux-mêmes à pêcher. Deuxièmement, en tant qu'Africain de la diaspora, on n'investit pas en Afrique pour aider l'Afrique. Non, on investit en Afrique pour s'aider soi-même. Parce que si on n'investit pas en Afrique, on investira dans les deuils en Afrique, parce que, prenons l'exemple du système hospitalier. Investir dans le système hospitalier nous évite de revenir 5 ans plus tard et dépenser des sommes d'argent astronomiques pour faire des enterrements de nos proches. Donc, investir en Afrique, parce que vous le faites non pas pour l'Afrique, mais pour vous garder la sérénité d'esprit de savoir que les proches laissés au pays restent et vivent dans de bonnes conditions. Merci.